Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur regard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, je ne savais pas que ce soir, j'allais me tenir debout. Mais toi, tu le savais, tu as arrangé, parce qu'on sait que ce soir, nous serions là pour pouvoir ne plus que dire un petit mot à tes enfants. Bénis ces quelques écritures que nous venons de lire. Bénis tes enfants. Sois avec eux pendant ce temps où il fait froid. Et voilà, ils sont là, Seigneur notre Dieu, pour pouvoir écouter la parole, faire vivre leur foi. Bénis-leur. Aussi la famille, et bénis ces quelques paroles que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez aux États-Unis. Très courte visite. J'ai acheté quelques machines que j'avais trouvées là-bas. Pour l'année prochaine, il y a beaucoup de travail pour terminer la traduction du message en français. Je suis parti à Paris pour chercher quelques livres pour les enfants. Et ce soir, j'ai pensé comme le frère était venu me prendre sur le compte de la culte. Je vais quand même passer, voir comment ils se réunissent. J'ai parlé de ce message un peu partout où j'ai été aux États-Unis. Le message que Frère Branham a prêché concernant combattre pour la foi. Il a prêché ce message plusieurs fois. Et dans ce message, le prophète a lu ce passage de Jude que nous venons de lire. Ce passage, il a lu ça plusieurs fois et il a montré aussi que c'est ça même le but du message du temps de la fin. Le livre de Jude a été écrite, comme Frère Branham l'a dit, 30 ou 40 ans après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Après la Pentecôte, c'était 30 ou 40 ans plus tard que Jude va écrire cette lettre aux croyants pour les exhorter à combattre pour la foi qui avait été prêché, apporté
prophète de Dieu dit que pourquoi Jude devait écrire une telle lettre aux croyants? C'est parce que, hein, quand il est en train de l'écrire, il est en train de montrer déjà que 40 ans plus tard, les croyants qui avaient reçu les apôtres, les croyants qui avaient reçu le message, il y avait un petit relâchement au milieu d'eux. Il y avait un relâchement au milieu d'eux, et c'est pourquoi Jude est en train de les exhorter pour qu'ils puissent tenir ferme, mais surtout combattre. Pourquoi combattre, comme Jude l'a dit? Pour conserver, pour garder la parole qui leur avait été transmise par les apôtres. Et Jude dit que c'est parce qu'il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, qui changeaient déjà la grâce de Dieu, qui changeaient déjà le message qui avait été apporté par les apôtres. Et déjà en ce temps-là, il commençait déjà à renier le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que Paul, Jude est en train de dire là, qu'il renie notre seul maître et le Seigneur Jésus-Christ. 40 ans seulement, hein, ça suffisait déjà pour que, hein, les croyants commencent déjà à s'affaiblir et qu'ils commencent déjà à s'éloigner, hein, de la parole que les apôtres avaient apporté. C'est pourquoi il les exhorte à pouvoir combattre. Le Bonhomme dit, combattre pourquoi? C'est parce qu'ils devaient, ils avaient commencé à laisser un peu, à relâcher, hein, à s'éloigner, hein, de la parole originale qui leur avait été apportée. C'est pourquoi, hein, Jude les exhorte à combattre. La même exhortation que Jude est en train d'envoyer aux croyants, c'est la même exhortation aussi que Paul envoie aux Galates. Et aux Galates, au chapitre 1, Paul leur dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Déjà ici, Paul écrit aux Galates pour les exhorter de la même manière, parce que pendant cette période-là, c'était comme, hein, quelque chose qu'on constatait un peu partout. C'est pourquoi Paul aussi, à son tour, il va écrire, hein, aux chrétiens des Galates pour leur dire que je commence à sentir que, hein, vous commencez à vous éloigner de l'évangile que nous vous avons prêché. Et Paul, pour montrer que l'évangile que lui avait prêché était la vérité, parce qu'il était le prophète, hein, il était le messager de l'ange. Il n'était pas juste un simple prédicateur, mais il était le messager de l'ange. Il était le prophète de l'ange. C'est lui qui devait apporter l'absolu pour ces temps-là. Alors, il leur dit, et pour sachant que ce que lui, il avait apporté était la vérité absolue, Paul dit que même si nous-mêmes, si nous revenons encore pour pouvoir changer
ou apporter quelque chose de différent que nous vous avons apporté, que même nous-mêmes, nous soyons anathèmes. Paul voulait montrer par là que la révélation qu'il avait reçue, les messages qu'il avait reçus de Dieu comme apôtre, comme prophète, étaient l'absolue vérité. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, ici, Paul va exhorter les croyants de Corinthe. Ça, c'est pour vous montrer que Jude a écrit aux chrétiens de quelque part des églises qui étaient en Asie en ces temps-là. Paul va écrire aux Galates et il va exhorter aussi les Corinthiens dans 2 Corinthiens au chapitre 11 pour dire « Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous ne pouvez le supporter. Car je suis jaloux de vous, dit la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, j'ai craint que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous apportez un autre esprit que celui que nous vous avons apporté, ou un autre évangile, vous les supportez facilement. Ici, c'est la même chose, c'est la même pensée. Toujours 40 ou 40 ans plus tard, après les apôtres, les prophètes, que ce soit Jude, est en train d'écrire aux chrétiens. Paul ici est en train d'écrire aux chrétiens à qui il avait apporté la parole pour leur dire, ben, je commence à sentir, je commence à voir que c'est comme si vos pensées commencent à se tourner pour recevoir un autre Jésus différent de celui que nous vous avons présenté. Donc tout ceci, c'est pour vous montrer que après un certain temps, après 40 ans ou 50 ans, il y avait quelque chose déjà qui commençait à se faire dans l'église et pas simplement à un seul endroit où Jude avait écrit, mais vous pouvez le voir que c'est quelque chose qui commençait à se remarquer un peu partout, que Jude pouvait écrire aux chrétiens, Paul pouvait écrire, et si vous lisez 1 Jean, il a écrit aussi aux croyants, presque dans la même pensée. Et c'est pour toujours les exhorter, pour qu'ils puissent garder le message, qu'ils puissent garder la parole qui leur a fait été apportée, qu'ils puissent combattre pour pouvoir garder le message, garder la parole de Dieu telle que les apôtres leur avaient apporté. Et le prophète de Dieu, il a pris ce message, ou bien cette parole de Jude, et il a montré que c'était au temps de Jude, c'était dans les salles, au début des salles de l'Église. Après cela, dans l'âge d'Éphèse, Paul pouvait dire que vous aviez abandonné votre premier amour. Ça, c'est Jean, l'apôtre, qui écrivait à l'âge d'Éphèse. Vous aviez abandonné votre premier amour. Et l'âge de Smyrne qui avait suivi, frère Barnabé est en train de montrer, il y avait l'amertume qui entrait déjà dans les croyants. Dans l'âge de Pergame, c'était le mariage avec le monde, le mariage avec l'État. Dans les autres âges qui ont suivi, c'était Jézabel qui prenait l'autorité, l'Église catholique en ces temps-là, qui prenait les règnes dans l'Église, jusqu'à ce que dans l'âge de l'Église de Laodicée, Jésus s'est trouvé
en dehors de l'Église. Or, tous ces anges-là, c'était les types hein, des anges réellement qui vont se faire pour en arriver à l'œil de la Odyssée, l'œil dans lequel nous sommes, où on se retrouve dans l'apostasie complète et Jésus se retrouve en dehors de l'Église. Et pourquoi il se retrouve en dehors de l'Église? C'est parce que au début, hein, Jude a écrit, Paul a écrit pour avertir les croyants, pour les exhorter à pouvoir combattre. Parce que hein, déjà au début là-bas, il y avait quelque chose qui commençait à glisser, quelque chose qui commençait à se faire. Il commençait à s'affaiblir petit à petit, à abandonner la parole originale qui leur avait été apportée, jusqu'à ce que dans l'œil de la Odyssée, Jésus s'est retrouvé complètement en dehors de l'Église. Et Frère Branham dit, c'est pourquoi dans cet âge de la fin, Dieu, voyant que Jésus est complètement en dehors de l'Église, c'est pourquoi Dieu, dans ces temps de la fin, il nous a envoyé un prophète, il nous a envoyé Malachika. Et quel est le but de ces prophètes? C'est pour nous prendre, nous les enfants, afin de nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. Parce que dans ces derniers jours, les églises qui sont sur la terre ont complètement abandonné la parole. Ça avait commencé petit à petit hein, dans les ailes de l'église et ça grandit au travers des anges. Et voilà que dans ces derniers jours, l'église a complètement abandonné. Mais Dieu, sachant qu'il avait ses enfants au temps de la fin, c'est pourquoi il nous a envoyé Malachika. Et ce prophète, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu pour que nous, les enfants de ces derniers jours, nous ne puissions pas nous éloigner, nous ne puissions pas nous écarter de la parole originale qui a été apportée par les apôtres. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de voir que le message est venu et le message nous a ramené à la foi de nos pères. Et si aujourd'hui le message est venu, Frère Branham, il a prêché la parole de Dieu, il a enseigné hein, beaucoup de grands enseignements sur la Bible et sur la parole pour que nous puissions bâtir notre foi, non pas sur un individu, sur la parole d'un homme quelconque, mais sur les ainsi dit le Seigneur que le prophète nous a apporté dans ces derniers jours. Et c'est ça le message que Dieu nous a envoyé. Hein, pour que nous puissions, par un autre Jésus, comme hein, il est en train, Paul est en train de dire, que déjà vous les Corinthiens, je vois que vous avez déjà commencé à recevoir un autre Jésus différent de celui que nous vous avons apporté. Et certainement que hein, les Corinthiens, ils avaient trop de problèmes parmi eux. Hein, ils ne connaissaient même pas qui était Paul. Ils ne savaient même pas pourquoi Paul était venu. Ils pouvaient comparer Paul hein, à un simple prédicateur. Et c'est pourquoi il y avait trop de problèmes au milieu d'eux, parce qu'ils n'avaient aucune révélation des prophètes qui leur avaient été envoyés en leur temps. Et dans ces derniers jours, Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Nous devons avoir la révélation de qui il est et du message qu'il est venu nous apporter dans ces derniers jours. Amen. Et aussi combattre pour garder ce message, combattre pour garder la pureté de la parole que Dieu nous a envoyée dans ces derniers jours. Amen. Combattre pour la foi. Pourquoi il devait combattre pour la foi? Et pourquoi nous, aujourd'hui aussi, nous devons combattre pour garder la foi? Parce que Jésus, nous venons de lire dans Luc au chapitre 18, notre Seigneur a dit que lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Et frère Branham dit, Jésus n'a pas dit, quand il viendra, trouvera-t-il des gens qui prient? Trouvera-t-il des églises? Trouvera-t-il des gens qui sont en train de lire la Bible? Frère Branham dit, non, ce n'était pas la question de Jésus. Jésus n'a pas demandé, est-ce qu'il y aura des gens qui vont prier? Oui, il y aura des gens qui vont prier. Il y aura des gens qui vont aller dans les églises. Mais Jésus, sa question était, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la foi vient de la parole. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. Si il y a réellement, si les gens croient à la vraie parole, ils auront la véritable foi. Amen. Parce que dans ces derniers jours, il y a beaucoup de prophéties qui montrent que dans ces derniers jours, les gens vont complètement abandonner la foi. Ils vont complètement abandonner la parole. Les circonstances qui seront dans ces derniers jours feront que facilement et très très facilement, beaucoup de gens vont complètement abandonner facilement la parole de Dieu. Les gens vont complètement s'affaiblir. Les circonstances au temps de la fin vont faire que les gens vont facilement s'affaiblir. Mais il y en aura que très très peu qui vont rester dans la foi. Amen. Dans 1 Timothée au chapitre 4, ce sont les quelques promesses pour ce temps de la fin. Pourquoi nous devons aujourd'hui combattre pour la foi? Parce que dans 1 Timothée au chapitre 4, la Bible nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous savons bien que cette promesse-là de Jésus-Christ, du Fils de l'homme, c'est réellement dans notre temps. Nous vivons dans le temps où le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, est descendu sur la terre, il est venu se révéler à son peuple. Amen. Il a dit que ce qui est arrivé au temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Donc nous vivons en ces temps où le Fils de l'homme s'est révélé à son peuple dans ces derniers jours. Amen. Le Fils de l'homme s'est révélé aux croyants en ces derniers jours. Amen. Mais Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et quand nous regardons ce qui s'est passé au temps de Noé, nous allons voir qu'il y avait un prophète qui était venu. Il a prêché la parole. Il a trouvé le monde dans une condition terrible. La Bible nous dit qu'au temps de Noé, il y avait la violence partout sur la terre. Au temps de Noé, la pensée des gens était toujours... Au temps de Noé, la pensée des gens était toujours tournée vers le mal au temps de Noé. Donc aujourd'hui, nous voyons que ce qui s'est passé au temps de Noé arrive de même en ces temps de la fin. Il y avait la violence et aujourd'hui, surtout aux États-Unis, là où je suis venu, c'est vraiment terrible aujourd'hui, où il y a des meurtres partout, on tue là-bas, on tue là-bas, on tue là-bas. Presque chaque jour qui passe, il y a des gens qu'on est en train de tuer, au point où maintenant, ils sont en train de se demander s'il faut annuler ou abroger la loi qui permettait aux Américains d'avoir des armes. Dernièrement, il y a quelques deux jours, c'est un monsieur qui a mis le feu. C'est comme s'il a mis le feu dans sa propre maison, et puis en mettant le feu, et puis il y avait sa sœur qui est morte. Les gens les gens sont venus, les pompiers sont venus pour pouvoir pour combattre ce feu-là. Et quand ces pompiers sont venus,
le monsieur qui s'était là, il a pris son arme et il a tiré sur le pompier qui était là. Il y a quelques jours, juste quand je suis arrivé, un jeune homme de 20 ans est allé dans une école et il a tué plus de 25 personnes avec des petits-enfants. Et un peu partout là-bas, des choses terribles sont en train de se faire. Et tout cela, c'est pour accomplir ce que le Seigneur avait dit, ce qui y est arrivé au temps de Noé, ce qui s'est passé en ces temps-là, arrivera demain au temps de la fin. Et au temps de Noé, la Bible dit qu'il y avait la violence, beaucoup de violence sur la terre. Il y avait le péché un peu partout. Et Noé était là, comme prophète, il a prêché la parole de Dieu pendant 120 ans. À peu près 3 générations. Il a prêché la parole. Il y avait beaucoup de fils de Dieu. Il y avait beaucoup de croyants. La Bible nous dit, hein, les fils de Dieu ont regardé les filles des hommes et ils les ont pris pour, comme femmes. Et il y avait toutes sortes de corruptions en ces temps-là. Et regardez qu'à la fin du message de Noé, après 120 ans de prédication, il n'y en avait que 8 personnes qui ont été sauvées. Il y avait beaucoup de vieux croyants. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le monde à ce temps-là. Il y avait beaucoup de fils de Dieu qui étaient à ce temps-là. Noé a prêché la parole. Noé leur a dit que la pluie va tomber. Noé a montré que ce monde va être fini. Et Dieu lui a dit, construis l'arche. Il voyait bien comment Noé était en train de construire l'arche. Et il pouvait leur dire que cette arche que je suis en train de construire, c'est parce que Dieu va détruire le monde. Hein, si vous voulez vous épargner, vous devez entrer dans cette arche. Mais les gens qui étaient là, ils se moquaient de Noé. Même le fils de Dieu qui était là, il se moquait de Noé au point où, à la fin du message de Noé, il n'y en avait que 8 personnes qui sont entrées dans l'arche. Et Jésus a dit, ce qui est arrivé là-bas, arrivera. Arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. À la fin du message de Noé, combien il y avait des gens qui croyaient? Combien qui croyaient réellement à la parole? Est-ce qu'il a trouvé réellement la foi parmi les hommes? En ce temps-là, quand Dieu a détruit le monde, il a trouvé qu'il n'y avait que 8 personnes seulement qui croyaient. Qui croyaient, ça veut dire, qui ont entendu ce que Noé avait dit et qui ont pris des dispositions pour pouvoir se sauver de cette génération qui était en train de périr. La foi aujourd'hui, ce n'est pas juste croire, c'est-à-dire que, bon, je crois les prophètes, c'est-à-dire que, bon, j'entends ce que le prophète a dit, et puis, bon, je marche. Non, non, il fallait prendre des dispositions pour ce temps-là. Il y avait Noé qui était là, qui avait construit l'arche. Bon, il fallait être là avec Noé, construire l'arche, et puis, quand Dieu a dit à Noé, c'est fini maintenant, tu peux entrer. Et Noé est entré avec ses enfants, avec ceux qui croyaient, ils sont entrés à l'intérieur. Ça arrivera demain. Et Jésus a dit encore, ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera demain à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Lot, Dieu est descendu, il est allé se révéler à Abraham, il lui a donné le signe. Il lui a montré la révélation du Fils de l'homme. Et en ces temps-là, le monde était dans une condition sodomite. Les anges, quand ils sont partis pour sauver Lot, nous voyons bien que quand ils sont arrivés, les gens qui étaient là-bas, ils ont vu les deux anges venir pour montrer que le péché avait atteint un niveau très très grand en ces temps-là. Les gens, quand ils ont vu les anges, disait la Bible, ils sont venus pour dire, mais où sont ces hommes-là? Nous voulons les connaître. Les connaître là sexuellement. Hein, pour les connaître sexuellement, parce que le péché, au temps de l'homme, la sodomie, c'était l'homosexualité.
Et l'autre même s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Au lieu même de prendre ces hommes, prenez même mes filles, allez même courir avec mes filles ici. Ne faites pas du mal, hein, à ces hommes, à ces étrangers. Les gens ont dit, non, nous voulons aller avec ces hommes-là. Le péché de Sodome avait atteint un niveau très, très exagéré. Et aujourd'hui, hein, Jésus a dit, ce qui est arrivé là-bas arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous voyons aujourd'hui comment l'homosexualité est en train de prendre des allures terribles à travers le monde. Aux États-Unis, là-bas, Barack Obama, hein, il a légalisé presque l'homosexualité. Et l'année prochaine, hein, la Cour suprême américaine va voter pour décider si maintenant, aux États-Unis, hein, l'homosexualité peut être considérée comme quelque chose d'illégal. Et ça, ils vont le faire. Ils vont réellement l'accepter comme c'est quelque chose de légal. En France, hein, j'ai déjà appris quelque chose, c'est le combat. Le président là-bas, il veut autoriser l'homosexualité. J'ai lu en Angleterre, c'est exactement la même chose qui est en train de se profiler à l'horizon. Et pendant que je venais ici dans l'avion, j'ai lu les journaux le soir, et dans les journaux le soir, ils sont en train de montrer comment, même aujourd'hui, dans les écoles, on doit commencer à enseigner aux enfants pour leur montrer que l'homosexualité, c'est quelque chose de correct, que ce n'est pas mal. Ils disent qu'à côté de l'éducation à la vie, hein, où ils ont déjà enseigné qu'on peut avoir des copains, qu'on peut faire toutes sortes de bêtises, maintenant, on enseigne aux enfants que, bon, hein, l'homosexualité, ce n'est pas quelque chose de mal. Mais si aujourd'hui, il y a même un papa, des papas qui sont homosexuels, ce n'est pas un problème. Et si vous aussi, vous pouvez avoir votre copain qui est un homme, si tu es un garçon, une femme, bon, il dit, j'ai vu dans les journaux toute une colonne que maintenant, ils vont essayer de pouvoir vulgariser ça dans les écoles pour leur montrer que l'homosexualité, ce n'est pas quelque chose de mal. Alors, qu'est-ce qui va réellement se passer dans les jours à venir? Quand aujourd'hui, peut-être à partir de l'année prochaine, un peu partout, si l'Amérique donne le ton que, hein, ici en Amérique, on autorise, c'est correct, le monde entier va suivre. Parce que l'Amérique, c'est la tête, c'est la tête des pelotons. Dès que l'Amérique dit, OK, on légalise, c'est partout dans le monde, hein, tout le monde va me suivre, tout le monde va voir que c'est correct, nous allons suivre, et ça va être la chose la plus terrible qui va se faire dans le monde. Ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera demain en ce temps-là. Et au temps de Lot, combien ont été sauvés, combien ils ont compris que le jugement va frapper le monde. Il n'y avait que Lot et ses deux filles, même sa femme qui pouvait aussi être sauvée, même à cause de sa négligence, hein, elle est tombée et elle est devenue une pierre, un morceau de sel. Ce qui est arrivé là-bas arrivera demain. Pour nous montrer qu'aujourd'hui, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas simplement à nous asseoir et croire, mais nous devons combattre contre, hein, tout ce qui se passe dans le monde pour garder notre foi. Pour préserver votre foi. Parce que la foi, c'est une chose sacrée. La Bible dit, sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, cette foi-là, vous devez la garder précieusement, combattre, parce que toutes les puissances du diable sont là pour combattre sérieusement les gens, les affaiblir, afin qu'il n'y ait personne qui puisse être là dans la gloire. Jude a écrit 40 ans plus tard, et aujourd'hui le prophète est venu avec le message.
pour nous rétablir dans la foi de nos pères, pour nous amener dans la foi de nos pères. Il a prêché la parole, il a prêché le message, il est parti, ça va faire maintenant, depuis que le prophète est parti, ça va faire à peu près maintenant plus de 40 ans qu'il est déjà parti. Or, le livre de Jude a été écrit aux chrétiens 40 ans plus tard. Le livre de Paul, exactement la même chose, où on commençait à remarquer exactement la même chose. Et aujourd'hui aussi, après 40 ans que les prophètes soient partis, et voyant tout ce qui est en train de se passer dans le monde, les bruits de la Bible, les démons, comment il est enragé, les démons, ce qu'il est en train de faire à travers le monde, toutes ces puissances-là sont en train de mener un combat. Et toi, en tant que chrétien aujourd'hui, ça ne suffit pas simplement de pouvoir lire la Bible. Mais vous devez savoir que vous devez combattre. Combattre pour garder ma foi. Combattre pour garder cette parole. Combattre pour rester un chrétien. Amen. Combattre pour rester un fils de Dieu. Amen. Combattre pour rester une fille de Dieu. Amen. Ce ne sera pas simplement un jeu, comme aujourd'hui il y a les catholiques, il y a les protestants. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans la foi. Amen. Ils sont là, ce sont des religieux, ils vont dans les églises, les pentecôtistes n'en parlent même pas, ils sont là, on ne peut même plus les reconnaître comme étant des chrétiens. Ils se sont complètement, totalement affaiblis, au point où quand on va chez eux, on ne les voit même plus comme ça serait simplement des bâtiments, ça serait simplement des Je suis allé aux États-Unis, je suis arrivé à l'endroit où le réveil de la Pentecôte avait commencé. Pour la première fois que je suis allé aux États-Unis, je suis arrivé à Los Angeles. Je ne suis jamais arrivé pendant, je ne sais pas, tous les 20 ans où j'ai passé aux États-Unis, je ne suis jamais arrivé à Los Angeles. Mais cette fois-ci, je n'ai pas compris ce voyage. J'ai commencé le voyage à Boston. Je suis descendu à New York. J'ai commencé à Boston. Boston, c'était juste au début de l'océan ici et jusqu'à l'autre côté de l'océan, à Los Angeles, qui est de l'autre côté. Je suis arrivé à Los Angeles. C'est là où le mouvement pentecôtiste avait commencé avec un homme de Dieu, c'était un noir, William. Il avait commencé le réveil pentecôtiste là-bas à la rue Azusa, et j'ai vu l'endroit où le réveil avait commencé. Mais quand vous allez là-bas, vous trouvez maintenant que cet endroit, c'est méconnaissable. Maintenant, il y a une petite banque qui se trouve à cet endroit-là, c'est resté simplement une petite pancarte. Ici, c'était là où ça commençait le réveil. Mais si vous ne regardez pas en haut, vous n'allez même pas reconnaître qu'est-ce qu'il y a. Et aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, quand vous regardez les pentecôtistes, vous n'allez même plus reconnaître que ces gens, à un moment donné, ils avaient marché avec Dieu, ils avaient reçu le Saint-Esprit, Dieu était avec eux. Aujourd'hui, ils sont complètement méconnaissables. Je suis allé dans l'église Angelus Temple, là où Frère Branham avait prêché de temps en temps, là où il y avait une femme qui avait commencé l'église. Frère Branham avait prêché longtemps, de temps en temps là-bas, à Los Angeles. Et quand je suis arrivé là-bas, on est entré à l'intérieur, j'ai vu des gens qui étaient en train de balayer, des femmes en pantalon, des hommes. Et quand vous les regardez, vous voyez bien que ce sont des homosexuels. Et aujourd'hui, c'est méconnaissable. On ne sait plus les reconnaître. Ils n'ont pas su combattre pour garder le réveil, pour combattre la parole, le réveil que Dieu leur avait donné. Aujourd'hui, ils se sont complètement affaiblis. Et nous, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a envoyé un grand esprit. Aujourd'hui, ça fait déjà plus de 40 ans qu'on est parti. Ces grandes prophéties sont en train de s'accomplir devant nous. Aujourd'hui, avec toutes les puissances démoniaques dans le monde, nous devons savoir que nous devons combattre durement, ardemment, pour garder notre foi. Pour garder la parole de Dieu dans votre cœur. Et Frère Branham me dit dans le message, comment puis-je vaincre? Il dit que vaincre c'est quoi? Il dit vaincre c'est garder la vie à l'intérieur.
Amen. Frère Branham dit, c'est cela vaincre. Il dit que, dans le message, comment puis-je vaincre? Il dit qu'il a trouvé un grand morceau d'arbre. Un grand morceau d'arbre qui était là devant lui, dans là qu'il était en train d'aller prier. Et il pensait que ce morceau d'arbre, c'était fort, et il voulait s'appuyer dessus, et il voulait piétiner sur le morceau d'arbre. Et dès qu'il a piétiné, ce morceau d'arbre s'est complètement effondré, s'est mis en pièces, un grand morceau d'arbre. Frère Barabé était étonné, mais c'est pas possible. Moi, quand je regardais, je voyais que cet arbre était grand, était gros, était puissant. Mais regarde comment, en appuyant simplement comme ça, ça s'est complètement effondré. Et le frère Madame dira, c'est ça aujourd'hui, les chrétiens, qu'on trouve dans les églises. Vous pouvez trouver quelqu'un, une grande masse, quelque chose comme ça, ou parfois même une très très grande église, mais à l'intérieur, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Frère Branham dit que pourquoi cet arbre n'a pas vaincu la force que j'ai portée sur lui, c'est parce qu'il n'y avait pas la vie à l'intérieur. Amen. S'il y avait la vie à l'intérieur, cet arbre serait très très fort. Ça allait résister. Mais comme il n'y a plus de vie, c'est pourquoi ça s'est complètement effondré. Et Frère Branham dit, mais vaincre aujourd'hui, c'est garder la vie à l'intérieur. Amen. C'est garder la parole de Dieu à l'intérieur. Amen. Au point où, quand toutes ces puissances mauvaises, toutes ces puissances du monde vont venir pour agir sur vous, toi tu résistes. Amen. Amen. Toi tu tiens ferme. Parce qu'il faut combattre pour garder la parole, garder la vie à l'intérieur de vous. Parce que à la fin de notre voyage, c'est celui qui vaincra. Amen. Et il dit, c'est lui qui vaincra. Amen. Et vaincre, c'est garder la vie. Amen. Vaincre, c'est conserver la vie. Amen. Et la vie, c'est la parole. Amen. La parole, c'est la lumière. Amen. Quand vous gardez la parole, quand vous gardez la vie à l'intérieur de vous, Amen. Même si le diable peut venir, Amen. Même si le diable peut faire n'importe quoi, toi, tu seras capable de pouvoir résister. Amen. Dieu nous a donné un grand message. Mmh. Dieu nous a donné un grand message pour nous aider à pouvoir vaincre. Amen. La seule chose qui nous aidera à vaincre tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde, il n'y a que le message de l'heure. Amen. Et garder le message de l'heure, c'est ça ce qui va nous permettre réellement à pouvoir vaincre. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme je vais te le dire, Jésus a dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Regardez autant de Noé, regardez autant de Lot, combien ont été sauvés? Et c'est qu'est-ce qui arrivera au temps de la fin, quand le message va être apporté, il y en aura simplement qui vont combattre, qui vont tenir ferme jusqu'à la fin, et qui vont vaincre, et puis se tenir là, dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons lire encore dans 2 Timothée chapitre 4. Toujours les promesses, les prophéties qui parlaient du temps de la fin. Pourquoi nous devons combattre pour garder la foi? Pourquoi nous devons combattre pour garder la vie à l'intérieur de nous? Parce que toutes les prophéties montrent qu'il y aura en ce temps de la fin, l'apostasie, l'abandon des puissances pour simplement vous éloigner de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 4, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants, qui doit juger les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Réprends, censure, exhorte, en toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Quand tu sortiras de la vision, lis. 2 Timothée chapitre 4. Lis 2 Timothée chapitre 4.
quand il est dans la sortie de la vision, il a lu ce passage. Et quand il en parle, plusieurs fois, pour nous montrer ce qui arrivera en ce temps-là. Et le passage lui a été réellement parlé à lui en particulier. Prêche la parole de Dieu. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Parce qu'il viendra un temps. Il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la vraie parole. Ils ne supporteront pas le vrai message. Même comme ils auront la dimension d'entendre des choses à dire, parce qu'en ce temps de la fin, il y aura tellement d'influence, il y aura tellement de puissance démoniaque, il y aura tellement du mal qui va influencer beaucoup de gens, au point où les gens, au lieu de pouvoir croire à la parole de Dieu, ils vont se laisser emporter par ces influences et ils voudront enfin que dans les églises où ils sont, on puisse leur prêcher exactement leur message. Et non leur pensée. Et non, parce que ils trouvent que le mal est venu aujourd'hui, ce qui est trop, ce qui est trop. J'ai trouvé aux États-Unis, il y a déjà des choses commencent à prendre des allures graves. Au point où, dans les églises, même si aujourd'hui, que ce soit à Thomas, même au Canada, que dans les églises, c'est maintenant considéré comme un lieu public. Un lieu public. Et que toute personne, tout celui qui veut venir dans l'église, il a le droit de venir à l'église. Il a le droit de s'asseoir. Et que même si certains ne vont s'exister, il s'assoit là. Vous n'avez pas le droit de pouvoir prêcher contre les homosexuels. Vous parlez contre les homosexuels, il a le droit de pouvoir sortir et d'appeler la police pour dire voilà, on est contre moi, je suis une minorité, pourquoi on parle, on est en train de me mettre à côté, pourquoi on parle de moi? N'importe quelle personne, peu importe ce qu'il fait dans l'église, dans la communauté, comme c'est un lieu public, il n'y a personne qui a le droit de pouvoir lui dire, bon, toi, ne fais pas ça, toi, l'église, sors de l'église, ou bien fais, on n'a plus le droit de pouvoir le faire. Voyez dans quel monde on y va maintenant. Dans quel temps on va entrer en très très bien. Et là, ça commence à prendre des années, ça commence à prendre au fond les prostituées, ils disent, bon, moi je suis homosexuel, ils disent, c'est ce mec-là, bon, ils se marient, ils disent, oui, vous m'avez, les pasteurs n'ont rien à dire contre ça. Quelqu'un qui se conduit n'importe comment, on n'a rien à dire dans l'église. Et qu'est-ce qui va arriver? Donc cet homme-là, il voudra bien qu'on dise des choses qui lui plaisent, qu'on dise des choses qui sont bonnes à ses oreilles. Et c'est exactement ce que Dieu avait dit à son prophète. Et ce que Paul avait dit à Timothée. Il y aura un temps bien là où les gens, au lieu de voir la parole, d'être fidèles à la parole de Dieu, qu'ils vont se laisser emporter par des influences du monde, du péché et toutes sortes de choses qu'ils ne voudront pas, ils ne voudront pas entendre quelque chose, les blâmer, les corriger ou les instruire ou leur montrer le vrai chemin et la parole. Et ça va à prendre le monde entier, ça va prendre toutes les églises, ça va prendre un peu partout, au point où les églises, ça va devenir comme des forces statistiques, où tout est permis, tout doit se faire, il n'y a personne qui va parler contre quoi que ce soit, chacun est libre dans l'église de faire ce qu'il veut. S'il veut amener toutes sortes de choses, il amène. S'il vient là-bas, amène toutes sortes de choses, il amène, et il fait n'importe quoi. Les pasteurs n'ont rien à dire, non. C'est pourquoi aujourd'hui, quand comme les prophètes étaient en train de dire,
qu'aujourd'hui, dites à quelqu'un, la parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit ceci. Non, 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 moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas, moi je ne sais pas. Pourquoi? C'est l'esprit du temps de la fin. C'est l'apostasie au temps de la fin. Et frère Branham nous dit que cet esprit d'apostasie, c'est ce qui va amener les gens vers la mal. Il a fallu que Canaan, Dieu lui dit, fais ça, il est refusé. Ne fais pas ça, il est refusé. Quand il a refusé, qu'est-ce qui a suivi après? Dieu l'a marqué, c'était la première fois la marque de la fin, et il s'est marqué. Voilà, dit que c'est ce qui va conduire les gens vers la marque de la fin. Qu'aujourd'hui, comme dans tous les autres âges, croire la parole de Dieu, recevoir Christ, recevoir la parole de Dieu dans son cœur, ça va devenir une chose très, très difficile. C'est pourquoi, aujourd'hui, en ce temps de la fin, nous devons combattre. Combattre pour être un chrétien. Amen. Combattre pour garder la parole de Dieu. Combattre pour dire, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Que ça soit une révélation individuelle. Amen. Avec une révélation particulière que Dieu te donne à un croyant. Parce que, à la lueur où vont les choses, même à un moment donné, les pasteurs qui vont crier par contre de cela, on va les prendre, on va les mettre en prison. Amen. On va les mettre en prison. Donc, ça va être une chose très, très difficile en ce temps de la fin. Il faut réellement qu'on aille chacun puisse se dire qu'est-ce que j'ai cru, qu'est-ce que je suis en train de faire ici, pourquoi j'ai cru ce message, pourquoi Dieu m'a envoyé cet appel, pourquoi je suis croyant, mais on aura sa révélation. Et si dans une église, on va avoir 50, 60 personnes qui ont cette révélation-là, à ce moment-là, ce n'est plus l'affaire du pasteur, mais c'est l'affaire de l'homme avec Dieu. Amen. Amen. Chacun est en train de combattre et combattre pour la parole. Le monde deviendra pire, pire, pire. Les choses ne vont jamais, jamais, jamais s'améliorer. Et surtout, quand la Bible prend la terre, c'est fini, ça va. On fait la maladie qu'aujourd'hui, ce qui dirige les mondes, c'est Hollywood. Hollywood, tout ce qui se fait dans Hollywood, ça se répand facilement. Au travers de la télévision, au travers des journaux, au travers des magazines, ça se répand facilement dans les mondes. Et quand les gens voient quelque chose aux États-Unis, ils vont dire ah, vraiment, c'est la gloire, c'est fort, hein, l'Amérique. Et maintenant, là, comme un instrument pour servir le monde. Ce n'est plus un instrument pour aider le monde. La mairie est maintenant entre les mains du diable pour pouvoir séduire le monde au conformément à Apocalypse chapitre 1. Elle doit faire des prodiges. Elle doit faire des miracles. Et ces miracles ne sont pas plus que les malades. Amen. Le frère Adam dit que ce sont des bombes atomiques, c'est la technologie, c'est la science, c'est le développement. Quand quelqu'un arrive là-bas, il regarde la vérité, étonné, surpris, et tout ça, vous pensez que derrière là-bas, il n'y a plus rien d'autre que la séduction pour détruire complètement. Quand on s'est posé dans la France, il s'est posé dans la France, il s'est posé dans la France. Et après la fin, surtout la fin là-bas, donc nous tous, nous allons suivre. Et c'est ce que, en conférence de la vie, c'est ce que l'Amérique doit faire. Et il doit y avoir des croyants. Partout dans le monde. En Amérique, il y a des croyants. Partout dans le monde, Dieu va avoir des croyants qui vont combattre. Combattre pour garder la foi. Et surtout, Dieu va faire des connaissances. Il nous a révélé les sons. Il nous a révélé le diable, l'ouverture des sons. Ce n'est pas juste l'ouverture des sons. C'est révéler le diable. Révéler comment le diable est en train d'agir. Comment le diable est en train de séduire le monde aujourd'hui. Et Dieu, dans sa grâce, il nous révèle la parole. Il nous montre comment, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Pendant les autres églises, ils ne voient absolument rien. Mais nous, aujourd'hui, si
vraiment nous ouvrons les yeux et nous lisons les messages, nous allons voir que tout ce que les gars sont en train de faire, le prophète en a déjà là. Et Dieu, frère Adam dit, dans le message de Dieu de cette semaine, que l'ouverture des choses, c'est Dieu qui est venu pour nous donner le discernement, pour nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions voir comment le diable est en train d'agir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le diable, quand il fait ça, le voyant aujourd'hui, qui croit le message, Dieu va lui ouvrir les yeux pour qu'il voit comment il est en train. Et Dieu lui donnera la force aussi de pouvoir. Et ça va dire, 20 versets quoi? 20 versets. Connaître le bon ennemi dans tout ce qu'il est en train de faire. Quand vous voyez l'ennemi, hein, vous voyez déjà quelqu'un, il veut prendre une arme, il veut faire ceci, toi déjà, tu l'as vu en avance, tu peux déjà prendre des dispositions pour pouvoir arriver. Quand l'ennemi veut faire quelque chose, toi tu as déjà vu ça en avance, ça te permet de pouvoir prendre des dispositions pour pouvoir le faire. Et Dieu nous a révélé le message, nous a révélé la parole pour que nous puissions avoir les discernements, pour que nous puissions avoir la sagesse, pour que nous puissions avoir l'intelligence. Nous ne sommes pas des gens avec des abrutis. Au travers de ce message, Dieu nous a donné l'intelligence. Et pourquoi aujourd'hui, quand nous voyons cette nuée qui est venue, nous voyons la terre. Pourquoi la terre? Pourquoi le bonheur va des yeux? C'est la tête, c'est là où se trouve l'intelligence. La tête, c'est là où se trouve les yeux. C'est là où se trouve l'intelligence pour pouvoir conduire. Le frère Marat me dit, ce message, c'est l'intelligence. Le message, c'est la sagesse des yeux. Il est venu pour pouvoir être dans le soin. Quand ce message, tu le reçois, ça te donne la sagesse. Ça te donne l'intelligence, ça te donne la compréhension. Tu commences à voir, pendant que les choses comme ça arrivent, quelqu'un il s'enfonce directement, toi qui es brisant. Un homme sage, c'est un homme brisant. Aujourd'hui, parfois, les serpents, un petit peu, ou même la crocodile, parce que la crocodile, quand elle veut. Elle ouvre l'arche comme ça. Elle laisse comme ça. Elle laisse pendant longtemps. Et comme la volaille, sans que est très présente, hein, les mouches, ils pensent, ah, ça c'est un bon terrain là où il faut aller jouer. Ils viennent là, ils entrent dans la détail, ils commencent à s'amuser. Mais hein, il fait semblant comme si elle dort. Et les mouches viennent vers le même des petits animaux, elles pensent que c'est un terrain. Mais elles ne savent pas qu'elles sont déjà en un piège. Et quand la crocodile fait un bon, c'est fini, ils se retrouvent tous à l'intérieur, ils ne savent plus où. Et les serpents, ils le font exactement. À un moment donné, il ouvre sa gueule, il attend, et les petits animaux, sans intelligence, ils pensent que là c'est un trou, là c'est. Et ils ne savent pas que les serpents ouvrent la bouche pour attraper les animaux qui ne sont pas intelligents. Et quand les serpents ouvrent la bouche, un animal intelligent, il va sentir l'odeur, il va pratiquement nous dire un danger qui est là-dedans. Et aujourd'hui, Apocalypse 9. Les puits de la ville est ouvert. Le serpent, le puits de la ville est ouvert. Le puits de l'enfer est ouvert. Des sauterelles sont en train de sortir. Et pour séduire le monde dans beaucoup de choses. Et si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas sage, combattre pas pour la parole de Dieu, tu vas être embarqué par toi du bord. C'est un bon endroit. Et tu vas te retrouver déjà enfermé et tu ne sais plus où. Beaucoup de gens, comme on a dit, que la sélection sera tellement grande que si cela était possible, même les cellules seraient possibles. Même les cellules. J'avais prêché ce dimanche à New York, parce que
Après, on parlait avec les pasteurs sur le prophétie, sur l'intention. Après, avec Jésus, avec tout ça, avec tout ça, si Christ ne demeure pas parce que j'étais pasteur, je vais rentrer au Ghana dans le monde. Ici, c'était sa vision difficile. Il me dit, qui va être sauvé? Amen. C'est bon. C'est pour voir. Le prophète nous a dit que les sept tonnerres ont été le les sept tonnerres emporteront la grâce. Les sept tonnerres amèneront la foi pour l'homme. Quand vous croyez à ça, Dieu vous ouvre, Dieu vous donne la foi, Dieu vous donne la révélation, Dieu vous donne la compréhension pour voir tout ce qui est passé. Et pouvoir combattre durement. Aujourd'hui, être un chrétien ne sera pas une chose facile. Être un chrétien, ça va être un combat. Être un chrétien, ça va être un combat difficile. Et dans quelques temps, toutes sortes de choses, après quelques années, c'était fini.
la maison blanche, dans les congrès, partout là-bas, il y a eu beaucoup de catholiques qui étaient là, et déjà par 1963 ou 1960, c'était même les catholiques qui commençaient à prendre le pays. Et aujourd'hui, là où nous sommes, ça fait à peu près 50 ans, et ce qui s'est passé déjà jusqu'à aujourd'hui, depuis 1960. En 1963, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enlevé la ville de Pécor, ils ont enlevé la prière de Pécor, et maintenant, ils sont en train de chercher dans les villes les noms de Dieu dans tout ce qui se trouve à l'île. Partout, il y a les noms de Dieu, on verra. Partout, il y a les musulmans, il y a les musulmans, il y a tout ça. Pourquoi on doit mettre, pourquoi on doit mettre le nom de H, pourquoi on doit mettre le nom de Jésus-Christ, pourquoi on doit mettre le nom de Et aujourd'hui, on est en train de mettre les noms de Dieu dans tout ce qu'il y a. La nation est en train de s'enfoncer, complètement. Mais Dieu nous a envoyé ce message. Pourquoi il nous a envoyé ce message? Pour que nous puissions combattre. Pour que nous puissions combattre. Comme Josué et Caleb, ils sont entrés dans les pays, même s'il y a eu des géants, même s'il y a eu des gens difficiles là-bas, ils se sont dit par la grâce de Dieu. Dieu nous donne la force pour combattre. Malgré que les gens ont dit non, non, ce n'est pas possible. Les géants sont la question du moment difficile. Dieu, on dit, nous allons nous battre jusqu'à la fin. Et Dieu était avec eux, Josué et Caleb, et ils ont vaincu. Amen. Dans la vision de l'épouse, que Madame est en train de montrer, si vous en disiez encore, l'épouse était en train de partir, à monter dans la gloire. Et quand l'épouse est passée, regardez là où se trouve le frère. Donc l'épouse est grande là où se trouve le frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils étaient en train de monter, il y avait derrière là-bas des gens qui ne regardaient plus là où se trouve le frère. Regardez là-bas, regardez ici, regardez là-bas. Et pendant qu'ils regardaient là-bas, elles se sont tournées. Le frère a dit, il y a le maquin des donc, commencer à s'éloigner du chemin. Donc, c'est la vie qui commence à crier, rentre dans les rangs. Donc, aujourd'hui, mes amis, les choses qui sont en train d'arriver dans nous, et surtout à partir de l'année prochaine, jusqu'au départ, combien d'années, les choses vont tellement bien. Les choses vont tellement bien. Des croyants qui combattent pour garder leur foi. Gardez la parole. Gardez le message. Gardez Christ dans les cœurs. Restez croyants jusqu'à la fin. Et Jésus a promis que celui qui gardera ma parole, je les garderai aussi au moment de la Amen. Vous gardez la parole qui est aujourd'hui. Vous gardez la parole dans votre cœur au moment de l'être. Amen. Daniel a gardé la parole. On lui a dit, mange ici, mange. Il a dit, non, moi je ne vais pas manger pour les affaires. Non, moi je veux manger les herbes. On va pouvoir pendant 10 jours. Si la pression est grave, 70%, Daniel a dit, non, moi je ne laisse pas. Je veux manger. Et là, moi, je l'ai fait. Dieu a prouvé que c'est une semaine qui s'est marrée. On leur a dit, adorez la statue. Ils ont dit, non, nous n'allons pas le faire. On va vous jeter dans la fournaise. Ils ont dit, ok, nous acceptons qu'on vous jette dans la fournaise. Et on les a jetés dans la fournaise. Ils étaient à soi. Quand la Bible dit que pendant qu'on les jette dans la fournaise, il y a une quatrième personne. Quand vous gardez la parole, c'est aussi bien. Quand vous combattez, vous gardez le message, Dieu aussi vous l'a. Les gens qui sont dans les génies sont très potentiels. Et chacun de nous doit demander la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, Seigneur, aide-moi à garder cette foi. Amen. Et bonjour aussi, il est arrivé que la nuit de tout doit se terminer, Seigneur, parce que je garde la foi. Amen. S'il y a
maintenant, cela sera la prochaine. Je vais garder la parole. Je vais garder la parole. Seigneur, apporte-moi. Regarde-moi. Amen. Amen.